If you're a bitch, what do you think? Fire. Elle est là. Alors, la vraie réplique, c'est... Je veux bien m'entraîner, mais voler, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Je veux bien m'entraîner, mais voler, je ne sais pas. Ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens. Dégage ton épée, pas toi! Allez, on retourne au combat! C'est dommage parce que je trouve ça pas mal. Je trouve le moyen de... Je ne sais pas. C'est là qu'il doit y avoir le... Je vais voir ce que ça donne. Bye.
bien, très bien. Et ça, c'était quoi ça? Juste un petit toum ou un petit kouba. Un coup de toum qui sauce. Enfin, il y a un petit coup de toum de feu qui sauce un peu, mais c'est pas suffisant pour valoir la peine. Là, je la frappe jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Rien, elle revient, c'est tout. D'accord, très bien. Ok, donc là, il y a sauce, mais ça sauce pas vraiment beaucoup, pour être sincère. On va essayer d'être cohérent avec ce qu'on a à l'écran. On va poser ça là. Ça, c'est juste un petit coup de saucing. À mon avis, il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs à utiliser. Chaton, chaton, s'il te plaît. Ça, ça sauce. J'ai une idée d'évolution, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est même une bonne idée, je pense. Ok, très bien. Et ça va être cette pièce maîtresse là qui va tout changer. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ça me plaît comme idée. Allons-y. Courage dans les. Allez, calcule-le, fils de pute, calcule-le. Calcule-le, je sens bien que t'en chies. Hein. Je sens bien que t'en chies. Allez, vas-y. Elle les relève. Ah putain, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Ça va couper entre trois phases où elle se fait démonter, mais à chaque fois elle revient en fait. C'est bon ça. C'est du génie! Même Shyamalan n'y a pas pensé.
ciment. Papa domine la terre des dragons immortels. Des dragons terre, des dragons immortels. Devient la lumière des murs de mort de ciel. Très bien. Donc là, j'ai juste besoin de la face bord de ciel. Facile. Dégage ton épée, pas toi. Allez, on retourne au combat. Tiens, presque un bon morceau, hein, chers amis. Hein. J'y suis presque. Hein. Je tiens presque un truc potable. Hein. Je tiens presque un truc potable. Vous remarquez quand même que cette deuxième partie de la musique a été montée vachement plus vite que la première, hein, pour une raison qui m'obscure. On a juste mis 2 heures pour celle-là, alors que l'autre nous a pris quand même bien 6 heures. Ça fait 1h30 que t'es sur ces 20 secondes, Bob. Ouais, mais on a fait ça vite. Eh, on a fait ça super vite, je trouve.
Ouais, c'était vraiment le premier plan qui était le meilleur, hein. Ouais, ce premier plan, il est vraiment bon. Il est vraiment bon, il est vraiment bon, quoi que j'en fasse. Ok. Excellent, excellent, excellent. On a peut-être un truc, hein. Moi, je suis content. En plus, ça fait déjà une transition avec la tête de Choupé. On a tout ce qu'il faut. Vous allez me dire ce que vous en pensez et si vous voyez des améliorations à faire ou pas. Hein. Je vous en prie, allons-y. Dégage ton épée, pas toi! Allez, on retourne au combat! Ça sert à rien cette phase. Un barbare porte son courage dans les flammes. Un barbare porte son courage dans les flammes éternelles. Un barbare crie ton tour dans toute ta brière. Un barbare. On va la refaire, on va la refaire, excusez-moi. Pouf pouf, je vais la laisser en ligne droite et je vais arrêter de bidouiller les choses que je vois direct en fait. Voyons voir. Dégage ton épée, pas toi! Allez, on retourne au combat! Un barbare porte son courage dans les flammes éternelles. Un barbare crée ton tour dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Où devient la lumière des lunes? Oh là 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 là, oui, 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 trois fois oui. Ça éventuellement si je peux le changer alors qu'elle est à genoux pour faire la cohérence par rapport au reste. Voilà. Allez, on retourne au combat. Puf puf puf, c'est trop stylé. Je dis oui, oui, ça rend bien. Le rythme est parfait. Merci beaucoup. Vous êtes sûr? Dernière partie sur le focus de Maïka est un tout petit peu long et au tout début, l'image n'est pas synchro de 1/0 seconde, je dirais. Dernière partie de focus sur Maïcha. T'as peut-être raison, je te remercie de l'avoir souligné. Et au fait que ce soit long, c'est pas grave parce que c'est sur la fin en fait d'un couplet. C'est-à-dire que ce sera fusionné avec un début d'autre plan. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait exprès de le laisser long. En vérité, je pourrais le mettre genre là, tu vois. Ça changerait rien. Ça changerait rien.
Tu remarques qu'à chaque fois, je faisais des morceaux, je commençais toujours un peu plus tard et je finissais toujours un peu plus tard, tu vois. Exprès. FIFA. Tu vois, donc là, bien sûr, ça aura changé depuis là. Ça aura changé. Attends. J'aimerais faire un fondu un peu plus long. FIFA. Je pourrais rajouter un peu plus de sound design. Voilà. Hein? Bon. Je dirais d'accélérer dès que la choupette se lève. Mais non. Nécessaire. Au contraire. Le fait qu'elle fasse ça lentement, ça ne fait qu'augmenter l'impact, je trouve. Regarde, si je veux, je peux le couper là pour. FIFA. Ouais, tu vois, pour que ça te choque moins. Alors, on va la refaire pour être sûr qu'elle est bonne. C'est pas trop court quand elle s'enlève la première fois, faut voir. Ouais, c'est mieux comme ça, t'avais raison. J'ai augmenté un peu le plan justement, même s'il est en fade in, fade out, et on voit mieux qu'elle se relève, t'as raison. Allez, on retourne au combat. Alors j'avoue par contre que ce Yörtölschul, il est pas bon du tout. Il me faudrait le sound Dragon Breath Sound Skyrim. C'est pas mal. Non, c'est de la merde. C'est de la bite. Bon, on va prendre celui-là alors. Allez, on le DDL. Comme un vieux clébard. Et on va le mixer soi-même. Look.
flammes éternelles. Forge ton courage dans les flammes éternelles. C'est pas le même, ça me fait chier. Forge ton courage dans les flammes éternelles. C'est pas le même et ça me fait chier. C'est pas le même et ça me fait chier. Celui-là en plus est parfait. Écoutez, je vais vous demander une faveur. Trouvez-moi la commande qui fait pleuvoir. S'il vous plaît, trouvez-moi la commande qui fait pleuvoir, je reviens. Alors. Oh là là là, oh là là là, rip, rip, lolol, je suis trop drôle, rip, lolol. Eh mec, je vous ai dit que j'étais parti chercher le matériel, enfin que j'étais parti chercher le son. Ça me prend le temps de lancer le jeu, de mettre la condition et de record. Les enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-vous-même. C'est chaud, vous respectez rien du tout. Alors. Avance ton courage dans les flammes éternelles. Avance ton courage dans les flammes éternelles. Dans les flammes éternelles, crée ton trou dans toute ta brière. Il y a la lumière des. Forge ton courage dans. Forge ton courage dans les flammes et. Forge ton courage. Ton courage. Éternel. Ton courage dans. J'ai toute la bande son de cet endroit qui a planté. C'est quoi ce trait bleu bizarre? Ah, je vois. Je vois où est le problème. Il s'est passé des choses ici, n'est-ce pas? Des choses terribles. Fouille en toi, mais pour l'instant, tu as toute cette force enfouie en toi. Voilà, très bien. Donc disais-je. Disais-je. Oui, là, pardon, excusez-moi. Avance ton courage dans les flammes et. C'est la même. Très bien, c'est la même et la situation est la même. Ok, très bien. Voyons voir. Très bien.
déclinez ton épée, bats-toi. Allez, on retourne au combat. Link and Terracid denied. Ah, je l'ai peut-être là. Courage dans les flammes éternelles. Crée ton trou dans toute ta brière. Domine la terre des dragons. Je l'ai peut-être là. Dégage ton épée, bats-toi. Allez, on retourne au combat. Un barbare forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare crée ton tout dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes. Ça laisse un trou. Dégage ton épée, pas toi.
déplier ton épée battoir. C'est problématique ce trou. Voilà, c'est à ça qu'ils servent ces plans. C'est à ça qu'ils servent ces plans. J'espère que ma chérie va l'aimer. Si elle l'aime pas, je serai dévasté. Je ferai un vrai barbare de toi. Dégage ton épée, pas toi. C'est peut-être un peu long. J'ai pas de meilleure transition pour ça. Barbare de toi. Dégage ton épée, pas toi. On va voir si j'ai pas une meilleure transition qui traîne. Non. Ça c'est l'ours, donc ça c'est la phase suivante. Beaucoup de coups de bâton. Du tatanage. Tatanage, mais c'est pas sous la grosse pluie, donc ça fait pas de sens. Ça c'est sous la grosse pluie, donc à la rigueur ça marche, mais il faut voir comment s'en sert aussi. Thank you.
truc là par contre. Là, il y a un extrait qui est usable. Donc je vais le mettre là et puis voilà, on va voir ensuite. La patada. Bon, et ben écoute, je vais me démerder avec ça. Je suis sûr que c'est possible. Voyons voir ce qu'on peut en faire. Point. 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 Ah, c'est bien, en plus il y a un bon rythme, pack et pack, tu vois. Il y a will to pack là, il y a un bon rythme. Parce qu'il y a les deux coups de bâton sur la bonne intonation, j'aime beaucoup. Dégage ton épée, pas toi. J'avoue Gougou, ouais, pas mal. Je sais pas qui est Gougou. Gougou, il est plus qu'un remaster de Skyrim 2, il pouvait pas faire un nouveau TES. On est pile, pas toi. Il va demander du travail. On est pile, pas toi. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Mais elle est encore bien trop lourde pour moi. Allez, on retourne au combat. Et affronte la mort. Pas besoin de ça du coup. Je vais le dégager. Ré, vrai, par là. Impeccable. Alors, du coup, est-ce que je peux avoir. Voilà ça. Je voudrais le monter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais, c'est difficile. Ce sont des temps difficiles. Mais voilà, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Un vrai barbare de toi. Dégage ton épée, pas toi.
tour de combat. Un barbare forge son courage dans les flammes éternelles. Un barbare forge son Shit, shit, shit. Allez, on retourne au combat. Là, on est bien. Là, on est bien, là, on est bien, là, on est bien. Là, on est bien, là, on est bien. Là, on est bien, là, on est bien. Majespace. C'est bon à savoir. Maj B. Très bien. Alors, Zblouf. Zblouf, 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 voilà. Très bien. Plan final, dernier truc pour ce soir. Après, on va se coucher. Chers amis, moi, j'en peux plus. Mais je vous invite à poser vos yeux sur ceci, à me dire ce que vous en pensez globalement et à être honnête. Allons-y. J'ai fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Allez. Commençons l'entraînement pour tuer les dragons. Tu n'es plus une enfant, bats-toi pour de bon. Tu as toute cette force enfouie en toi, mais pour l'instant je ne la vois pas. Je saurai faire un barbare de toi. Essaye de m'attaquer comme une vraie guerrière. Fais rugir ton acier, frappe comme le tonnerre. Tu es la seule qui puisse prendre ma place. Fais-moi face et relève-toi. Je ferai un vrai barbare de toi. Ton épée, pas toi. Allez, on retourne au combat. Un barbare forge son courage dans les flammes éternelles. Un barbare crée ton tout dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lumières. Fais face à ton destin et affronte la mort. C'est la fin du chemin, verras-tu l'aurore. Si tu ne peux pas devenir vaillante ou forte, ni un fils digne de sang, tu n'auras été qu'une perte de temps. Un barbare forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare crée ton tout dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Dans les flammes éternelles. Un barbare crie
ton tomb dans tout Tamriel. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Deviens la lumière des murs de bord de ciel. Bien. Alors, pour l'instant, de tout ce que j'en ai fait, j'ai pas relevé de défauts majeurs. Je suis très satisfait de voir que les gros plans que j'avais calés, notamment un au tout début, un au milieu et un à la fin, c'est-à-dire que le casque, ça la rend encore plus petite. Quand elle fait cette espèce de regard, là, il est où ? Voilà. Quand elle fait ce regard, le casque la rend plus petite. Quand elle fait le regard avant de tirer à l'arc, je sais plus où il est. Avant de tirer à l'arc, voilà. Elle est toute mignonne. Et on peut le comparativement comparer avec ce regard-là. Et ça, avouez ses classes. Est-ce que je peux avoir cette espèce de dédoublement Majanin-Jatique ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Oula, qu'ai-je fait ? Non, je ne sais pas ce que j'ai fait, très bien. Mais d'avoir une différence entre ce regard-là et... Où est-il ? Voilà. Ce regard-là. Et ce regard-là, pour moi, ça compte. Ça compte. Et c'est un régal. Je suis très heureux d'avoir pu exploiter le moteur de Skyrim. Et quand je dis exploiter, c'est-à-dire me battre contre et vaincre. Parce que nique sa mère le moteur de Skyrim. Nique bien sa mémé. Voilà. Accessoirement, vous remarquez que dans tous les plans de combat, j'ai fait exprès qu'elle fasse la gueule. Dans tous les plans de positif, qu'elle soit très heureuse ou moyennement. Lui, de toute façon, quel que soit le plan, il fronce toujours les sourcils, il fait toujours aussi flipper. Il est toujours aussi grumpf. De toute façon, le seul plan sur lequel on le verra sourire, c'est sur le plan de fin. C'est sur le plan de fin quand elle aura buté le dragon. Et aussi, c'est volontaire de ma part, mais je devrais peut-être les inverser. Ça, par contre, c'est la grosse discussion que je suis en train d'avoir avec moi-même. Soit j'inverse cette espèce de cri de dragon dans lequel elle court. Certes, tu remarques qu'elle se bat dedans et elle en a rien à foutre. Là, par contre, elle se fait avoir par le feu. Et là, elle se bat alors qu'elle est enflammée. J'ai l'intention d'inverser ces deux-là, en fait. Peut-être c'est la dernière chose que je devrais faire ce soir. Clairement. Oui, le chat se bat contre des choses, laissez-le vivre. Ça fait du sens, voilà. Un barbare forge ton courage dans les flammes éternelles, t'as un plan sur les flammes, crie ton tomb dans tout Tamriel et il hurle le tomb, ça fait sens. Et là, elle se bat enflammée. Mais oui, c'était ça qui me gênait depuis le début. Il est là, mon plan. Je l'ai, les enfants. Ah, là, je suis content. Il y avait un truc que j'aimais pas et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, c'est ça. Il suffit juste d'inverser ces deux plans et tout se concorde, tout se goupille. Forge ton courage dans les flammes éternelles, elle se prend du feu, mais elle tombe. Tu remarques qu'elle meurt, en fait. Elle meurt. Elle bouffe. Crie ton tomb dans tout Tamriel, mais là, elle se prend un full final flash dans la gueule, et tu remarques qu'elle avance et qu'elle se bat quand même, et le plan d'après, c'est elle est en feu, mais elle se bat, elle en a rien à foutre. Un barbare, forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare, crie ton tomb dans tout Tamriel. Un barbare, domine la terre des dragons immortels. Et vous remarquez que sur ce dernier plan, elle ne s'en prend pas. Elle part un coup et elle en donne deux. Donc c'est fait exprès, c'est pour ça que j'étais tellement content. Elle part un coup et elle en donne deux. C'est pour ça que tous ces plans où elle se fait défoncer, mais comme une peau de banane, genre en mode... Ouri ! Voilà, en mode... Ouré ! Tout ceci ne sert à rien. Parce que c'est déjà trop tard, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus de place, j'ai plus la place.
ordre et bim, à toi. Allez, on retourne au combat. Dans les flammes éternelles, mettons tout dans ta brière. Domine la terre des dragons immortels, devient la lumière des lunes de bord de ciel. Fais face. Non. Ah, et en plus, vous avez remarqué que au niveau du son. C'est-à-dire au niveau du toum, du son et tout ça, ça se goupille tout seul. Je les ai inversés, comme ça, sans faire chier, tu vois, sans m'embêter, et ça se goupille tout seul en crescendo. Forge ton courage dans les flammes éternelles, mettons tout dans toute ta brière. Mettons tout dans toute ta brière. Je pourrais peut-être essayer de le décaler un tout petit poil sur la droite, mais de très peu. Non, c'est parfait. Reviens, JPP, reviens. Oh, bah, pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, oh, ok. Putain, mais regarde ça, quoi. Regarde ça, comment ça se goupille de la bite. C'est bon, ça. C'est presque aussi bon qu'Irma. C'est presque aussi bon qu'Irma, les mecs. Presque aussi bon qu'Irma. Si Seb voyait ça, il serait tellement fier de moi. Non, il en aurait peut-être rien à foutre, mais je prends mes désirs pour des réalités, les noms. J'ose avoir des rêves et des espoirs, les noms. Des rêves et des espoirs. Non, vire-moi ça, barre-toi de la bite. Touche ton gland. Oh, très bien. Impeccable. Commençons l'entraînement. Putain, c'est bon ça. C'est bon ça! On y est presque! Dégage ton épée, pas toi! Allez, on retourne au combat! Peut-être un peu moins. Allez, on retourne au combat! Dans les flammes éternelles, mettons tout dans toute ta brière. Domine la terre des dragons immortels, devient la lumière des lunes de bord de ciel. Fais face à ton. Et l'épisode de Sherlock, du coup, merde. Oh, mon boulot pour demain, fuck. Allez, une dernière coup et on monte l'épisode Sherlock. Commençons l'entraînement pour tuer les dragons. Tu n'es plus une enfant, bats-toi pour de bon. Tu as toute cette force enfouie en toi, mais pour l'instant je ne la vois pas. Je saurais faire un barbare de toi. Essaye de m'attaquer comme une vraie guerrière. Fais rugir ton acier, frappe comme le tonnerre. Tu es
place. Fais-moi face et relève-toi. Je ferai un vrai barbare de toi. Dégage ton épée, bats-toi. Allez, on retourne au combat. Un barbare forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare éteint tout dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Putain, oui. Mon gars! Mais oui, mon gars! Putain, je suis en train de me chier dessus! C'est bon, ça! Tellement bon, ça, mon gars! Je pense que si mon degré de win pouvait se matérialiser, ça rendrait une femme à Verdier, quoi. Oh là 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 là! Oh là 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 là. Parce que c'est pas pour dire, mais ça bouque. Ouh, ça bouque. Ouh, ça bouque. Alors, tout ceci sont par contre des outtakes. Ouais. On va voir ce qu'on en fait derrière. Alors ça, le plan avec les ours, on va s'amuser aussi. Hein. Ça va être des bons plans, ça. Il y a le plan avec les bandits aussi. Ah, vous l'avez pas vu? Ah oui, c'est vrai que vous avez pas vu quand je filmais les bandits. Ah, je me suis retrouvé sur un pont, en fait. Un pont à la Minas Tirith. Oh, quoi que je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise. Mais dites-vous qu'en fait, je vous spoil. Maïcha déglingue 7 bandits à main nue en faisant une prise spéciale pour chacun, en fait. Et en fait, il faut savoir que j'ai sauvegardé et chargé la sauvegarde à l'infini jusqu'à ce qu'en fait, non seulement il y ait les 7 prises différentes, mais que les bandits meurent au bon endroit, avec le bon angle de caméra, tombent du pont. Et en fait, dans le bon ordre. C'est-à-dire que les bandits, tu vois qu'ils meurent dans le bon ordre et tu vois que bah, ceux qui attendent sur le côté pendant l'autre cinématique, bah, ils sont... c'est ceux qui restent, quoi. Donc c'est calculé. C'est calculé. Donc ta Maïcha, elle est vénère. Elle démonte. Et après, Maïcha, elle démonte un ours. Maïcha, elle démonte un troll. Maïcha, elle démonte un troll géant. Et Maïcha, elle démonte un dragon. Mais voilà, quoi. Au moment où ça fait le gros plan sur ton gru, il faut lâcher la bedaine, mon gars. La ceinture de bedaine. La ceinture de bedaine. Je me demandais pourquoi Bob ne faisait plus de musique. Puis j'ai vu tout le boulot qu'il y a derrière. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Surtout que celui-là, je la peaufine. Parce que je te jure que Serana, c'est pas le même niveau. C'est pas le même budget. Serana, à côté, c'est du caca. Mais c'est du caca en boîte. Mais en boîte. Mais genre en boîte. Voilà, je vous le dis. Je le dis, je suis en train de devenir fou. C'est infernal. Bon, Daedric, c'est comme ça que je l'avais appelé la musique. Putain, je l'ai même pas là, elle est pas sur le disque du dur. Allez, le disque jus du dur là. Disque mou. Mon disque mou. Mon disque flasque. Il est pas sur le Toshiba. Il serait sur le Toshiba? Non. Non. Il est sur le Toshiba, Daedric? Ah ouais, si. Si, il est sur le Toshiba. Ouais, pas de problème. Oh, regarde, Serana, je clame que mon plétrou est pur. De mes exploits, j'ai quoi être fier. Oh, observe, Serana, j'ai vécu bien plus d'aventures que n'importe qui d'autre sur cette terre. Mais pourquoi, Serana, face à une quête impossible, les choix offerts sont inadmissibles? Quelle brûlure, quelle torture, le sang de mes ennemis impurs s'écoule au sol dans d'obscènes giclures. Vampirique, Daedric, l'enfer noirci ma chair, du désir de
peux rien si le sang coule toujours autant. Est-ce ma faute si juste une fois je porte aux lèvres ce breuvage digne d'un roi? Pitié, Serana, épargne-moi ce triste sort de cette envie maudite et de sa mort. Emprisonne donc mon âme, une gemme obscure, soit sa prison. Guide-moi dans cette ultime trahison. Misère, mon âme ou mon humanité. Mais mon objectif de base est de finir cette aventure à fond. Très bien, qu'il en soit ainsi. J'en finirai, même si je dois brûler bord de ciel moi-même. Eric, Eric, je condamne mon âme, éternelle damnation, plongée dans les flammes. Telle la pitié pour eux, telle la pitié pour moi. C'est pas grave, ce sont des choses alors qui arrivent. Pris une décision. Parfaitement, Serana, change-moi en vampire. C'est... et ça coule fluidement dedans. Mais avouez que c'est classe. Mais avouez qu'il y a une voix, sur la fin il y a une deuxième piste, donc il y a deux voix. Les plans de caméra sont ouf de rien du tout. C'est-à-dire, j'espère que vous vous rendez compte que les plans de caméra, ils sont nuls à chier. C'est-à-dire, c'est toujours des trucs qui me suivent, c'est du vieux travelot de travelling. Enfin... Il n'y a aucune ressource, il y a 2-3 sorts de flammes qui sont lancés pour les Pyknes. Me prosterne devant la puissance de ce montage. Mais il est pourri! Le budget était moindre! C'est, on compare Toy Story 1 et Toy Story 3, mec! Voilà, c'est... Ah, c'est sûr que c'est pas Roi du Métal. Je t'emmerde, Roi du Métal, je me suis amusé à le faire. Et ça, j'avoue, j'ai complètement compris quel était le problème de Roi du Métal. Un jour, je le referai, Roi du Métal, parce que j'ai toujours les fichiers. Et j'aurai juste à doubler la deuxième voix. Si je double la piste, Roi du Métal, il passe tout seul. Il passe tout seul. En plus, quelqu'un m'avait fait une version de Leather Rubble, complètement instrumentale. Mais le mec s'était arraché le cul et il a fait un truc parfait. Donc, un jour, je le referai, Roi du Métal. Et il était parfait. Roi du Métal, il était très très bien. Mais voilà, il y a un budget d'animation qui est nulâche! Qui est nulâche! Alors que là. Là, il y a une qualité! Qualité! Kerimou! Mon gars! Rien que ce plan, chers amis, rien que le plan du muscle, ça dépasse de toute la qualité. De Serana la musique. Commençons l'entraînement pour tuer les dragons. Tu n'es plus enfant, bats-toi pour de bon. Tu as toute cette force enfouie en toi, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Je saurais faire un barbare de toi. Essaye de m'attaquer comme une vraie guerrière. Fais rugir ton acier, frappe comme le tonnerre. Tu es la seule qui puisse prendre ma place. Fais-moi face et relève-toi. Je ferai un vrai barbare de toi.
toi. Allez, on retourne au combat. Un barbare forge ton courage dans les flammes éternelles. Un barbare crée ton tour dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. Et affronte la mort. C'est la fin du chemin. Verras-tu l'aurore. Si tu ne peux pas devenir vaillante ou forte, ni un fils digne de sang, tu n'auras été qu'une perte de temps. Dans les flammes éternelles, barbare, crie ton tour dans toute ta brière, barbare, domine la terre des dragons immortels, devient la lumière des lunes de bord de ciel. Barbare, range ton courage dans les flammes éternelles, barbare. Crie ton tour dans toute ta brière. Un barbare domine la terre des dragons immortels. Devient la lumière des lunes de bord de ciel. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Le niveau de différence est le même entre moi et mon grand frère. Tu vois, mon grand frère, il était là. Bon, il était là. Bon, il était là. Il était là. Il était là. Parents, ils savaient pas. Ils étaient au pif. Tiens-toi, chaton. Ils étaient au pif. Enfin, voilà, c'est pas ça. Bon, après, il y a eu ma grande sœur. Donc, tout va bien. Après, il y a eu moi. Donc, tu vois, ils savaient. Ils savaient. Et donc, le premier, il est bon, tu vois. Il est bon. Il est bon. Juste le troisième. Voilà. Qualitatif. Qualitativité, 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 qualitativité. Qualitativité, même celui-là il est qualitatif, faites pas chier. Quoique j'aurais vraiment dû utiliser la version... Gardien de l'espoir. C'est ça, j'aurais dû utiliser la version qu'on m'a donnée. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'ai pas la musique des métalleux ? Ah bah voilà, si, je l'ai, excusez-moi, pardon. Prends ça, chacal ! Mourez ! Il suffit ! J'invoque le guerrier ultime des métalleux ! Apparaît devant moi, avatar du feu, du sang, du bruit et du métal ! Un plétrou entier enfermé dans une guitare, ça vous fit de ces torticolis. Zem ? Mais qu'est-ce que... Attends. Mais ça veut dire que tu étais enfermé depuis tout ce temps dans la guitare de l'amour ? Oui, ça veut dire que j'étais enfermé depuis tout ce temps dans la guitare de l'amour. De l'amour ! Oh, enfin bref, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là ? Là ! Boss de fin ! Lui devoir mourir ! Gloire du métal ! Tout de suite ! Bon, bah, je suis pété la zic ou bien ? Parfaitement, Seb, musique ! C'est parti ! Allez, Seb, c'est le moment de tout défoncer. Je t'entends les notes, c'est le moment de tout défoncer. Allume la scène, parce qu'on va tout faire péter. À nous de là, plus aucune chance de s'en tirer. Là, on va exploser cet enfoiré. C'est bien de finir, reste plus qu'à nous trancher. Allez, c'est pour buter nos véhicules. Y'a rien à comprendre, passons pour peu aller. Et nos véhicules, empereur du mal. J'connais ta faiblesse, c'est le métal. T'as plus aucune chance de
sortir. Allez, approche-toi, je vais en finir. On était des hommes et pas des vieux, mais au moins on est des métalleux. Tellement Gauthier. Et ce vieux bruit de clic à la fin. Ah, ce vieux bruit de clip. Oh là là. We were fools. Oh, c'est tellement vieux, ça. There's nothing we could have done. On dirait un AMV. We're conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. The dead is doomed. He calls himself Dorsnet Dorfakin. Bob Lennon, Pyrobot Barry. Bob Lennon, c'est un pyro-barbare. Massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir. Avec la belle Lydia, sa fidèle Ulysca. Bob Lennon a en lui le pouvoir. Son acier enverra dans les flammes éternelles. Les dragons parcourant les yeux de bord de ciel. Il mènera le combat jusqu'au nez. Bob Lennon, Bob Lennon, au milieu du carnage, obtiendra la victoire aux côtés des sombrages et au cœur des batailles sur son fidèle cheval. Bob Lennon trouvera le secret du métal. Bob Lennon, Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Buscar. Bob Lennon, Bob Lennon marchera vers la gloire. Fuck! 5 ans après, ça tient encore le coup. 5 ans après, ça tient encore la route, les mecs. J'y croyais pas. On dirait vraiment un générique de dessin animé. En fait. J'avais vraiment réussi mon coup. Je sais même pas comment j'ai fait. Vraiment un générique de dessin animé. Moi, c'est ce que ça m'évoque, hein. Honnêtement, on est à peu près au même niveau que... Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Putain, ça durait des plombes, le générique. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. L'épisode le plus épique que vous n'ayez jamais vu. Du sexe. Que bella, ne laisse pas tes seins tremper dans le potage. De la violence. Billier. De la douleur. Tic, 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 tic.
non, sans déconner, non, les notes. Mais surtout, 5h30 de pyro barbare. Oh, oh, bitch. Oh, j'adore ces petits caps, je m'en lasserai jamais. Je trouve un mode qui fasse les chacun. Notre planète est condamnée. Mais de nouveaux héros se sont levés. Eux seuls pourront nous sauver. Mais qui sont-ils? Fanta! Pop Pop! T'as pas de couilles, Fanta! T'as pas de couilles, Fanta! T'as pas de couilles, Fanta! T'as pas de couilles! T'as pas de couilles, Fanta! T'as pas de couilles! Ok, on va régler ça! À 3! 1, 2, 3! T'as pas de couilles! 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 T'as pas de couilles, Bob. Reviens ici! Tu t'es craqué! Reviens ici, salaud! Je te jure que je vais t'avoir! Je te jure que tu vas pas t'en sortir comme ça! Oh! 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 Yeah! Aucun respect! Aucun respect! Au commencement étaient les ténèbres. De ces ténèbres surgit un monde forgé par le marteau de la création sur l'enclume du temps. Un monde abandonné par ses propres dieux. Un monde constitué de feu, de sang, de bruit et de métal. Réduite en esclavage par des démons impurs, la race des hommes n'a plus personne vers qui se tourner. Des flammes et des ténèbres de l'esclavage, un seul homme pourra tous les sauver. Totalement imprévisible. Délicieusement brutal. Complètement métal. Cet homme, c'est Eddie Riggs. Cet été sur Phantom Games, présenté par Bob Lennon, retrouvez une légende du tonnerre. Et quelque chose me dit que vous n'êtes pas super serviable, alors par pur respect, directos battage de cul. La guerre. Enfin. Brisons les chaînes de l'esclavage. Ouais, et il y aura des tonnes de gonzesses, de la binouze et tout ça. Ça vous pose un problème? Vous êtes sûr de ne pas vouloir me dissuader? Non? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, je crois que t'as... T'as un cheveu sur la langue. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Un chariot? C'est la Destroy Mobile. Préparez-vous à l'aventure la plus épique et la plus métal que vous ayez jamais vue. Destroy Mobile! Yeah! Oh putain, oh putain! T'as vu ça? Je te vois venir. Je suis censé croire que t'es une nonne alors qu'en fait t'es rien qu'un gros démon dégueu. Alors au boulot! Ah ah! Je le savais! Un gros démon dégueu! Ouais, y a pas mal de monde. Je voudrais les aider, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gosses qui ne savent rien faire d'autre que secouer la tête toute la journée ?
On lance une révolution, là. Êtes-vous prêts à faire face à l'aventure la plus épique de votre vie? Au fait, moi c'est Iggy! J'aurais préféré jamais que... Êtes-vous prêts à vous baigner dans le sang, le bruit, le feu et le métal? Brutal Légende, bientôt sur Phantom of Games. Je me suis hypé tout seul. Je me suis hypé tout seul. Damn, j'ai un vrai talent pour ça. Do I? Maybe. I don't think so. I guess. Fuck. Miséricorde, il dure 4 minutes ce trailer. Holy fucking shit. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Est-ce que j'ai fait un trailer 300? Je me souviens plus. Non, j'ai fait l'épisode 300. C'était déjà bien assez dur. J'ai pas fait de trailer pour le 400, si? Non, rassurez-moi. Rassurez-moi, rassurez-moi, j'ai pas fait de trailer pour le 400. J'ai pas fait n'importe quoi. Non, j'ai épisode 400 final. Si, j'ai fait un trailer 400. Ouais, je m'en souviens plus. Dans les terres infinies gelées de bord de ciel. Merde, c'est classe! Oh, y'a un écho et tout! Attends, y'a un écho et tout, c'est classe, je m'en souviens plus de ce trailer! Dans les terres infinies gelées de bord de ciel. Un homme. Un destin. Une légende. Face aux 400. La. Là, les amis, il y a de l'expertise sexuelle. Je me souvenais plus de ça. Oh fuck, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai fait un trailer pour le 300? Est-ce que j'ai oublié des choses? Dites-moi. Alors, ça, je me souviens de ça. Mon expérience de Call of Duty Black Ops. I realize just below us, 4 targets. And let's go. Oh fuck. Oh shit, nigga. Oh. Par contre, il est sorti le 11/11/2015 et il y a eu genre 3 épisodes de Skyrim qui sont sortis entre temps. C'est vrai qu'il était grand temps que je reprenne la production. The Witcher 3 avait bien aidé en même temps. The Witcher 3 avait bien aidé. C'est quoi ça, MM? C'est Mad Max? Ouais, putain. Ouais, c'est ça, c'est Mad Max. L'intro du premier épisode de Brutal Legend, Bob. Ce connerie, il était très bien, cette intro. Montage LMG sur Big Game Hunter. C'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. C'est pas à qui l'ai fait, c'est pas à qui l'ai fait. Hein. Par contre, je me souviens de celui-là, oui. Secret.
Alien Crusher! あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるのバカバカしいだ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。Mountain View. Go wreck him. Teach this noob how to quickscope. Mate. Try 360. Fuck off, mate. Kill this cheater. Do it! Do it! MLG Canner. Cocoado, ce génie. Fuck it right in the pussy! Oh!
I'm Jim Shockey. Hi, I'm Troy McClure. I'm Vicky Sandrula. Welcome to Big Game Country. Hi, Rosie. How can I help you? Well, you have already. You mean the doll I made? I didn't know you kept it. You said it was a protective charm, didn't you? I still owe you one from the feast, so anything you want, just name it. Let me think. You know what? I'd like to hear you sing, Rosie. Huh? You want me to sing? Yes. You told me before that you always enjoyed it. I'd really love to hear you. I bet you're great. Okay, then. It's a promise. La cartouche! Elle l'avait bien mérité, cette pute. Tellement vrai. Whoop the Musical, je me souviens absolument plus de ça. J'ai fait un truc comme ça ? Oui, apparemment, c'est le mien. C'est le mien. Did I do this ? C'est moi qui ai fait ça ? Non, c'est bizarre. Eh ben, je tiens à dire, excusez-moi, vous ne le voyez pas, mais vous ne voyez pas, je regardais juste. Eh ben, chers amis, je tiens à dire deux choses. Primo, même si Siphano est un concurrent que je respecte, hein, mon plétro de Brutal Legend était meilleur, déjà d'une. Mais alors, on large en travers, et d'une. Et de deux. J'avoue que Saints Row 3 et Saints Row 4, on les a bien saucés avec Fanta. Hein.
On les a bien saucés, on a bien tellement à concentrer de délire cette série. C'est vrai que je me souvenais pas que cette série était aussi bonne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est merde alors, il y a tellement du... Pourquoi Izara est si détestée par Bob? On peut me l'expliquer, je vais rester l'inconnu et l'obscurité la plus totale. MLP, c'est rien, c'est parce qu'elle est juive. déconne. Truc tellement gratuit. Alors, attends, ouvrir. Sherlock Holmes, ouvrir, ignorer tous les fichiers manquants. Très bien, il faut absolument qu'on monte ça, sinon j'en finirai jamais, n'est-ce pas? J'en finirai jamais, je ne serai jamais libre. Libre d'aller me coucher. Libre de vivre ma vie. De vivre une vie de plaisir, une vie de délices. Sherlock Holmes épisode 2. Bandicam. Ah non, ça c'est l'enregistrement raté. Celui-là il fait 20 gigos, donc j'imagine c'est le bon. Voilà, avec le vrai wave qui va bien en dessous. Tac, on supprime. Tac. C'est bon, ça doit être le bon, donc il n'y a plus qu'à attendre. La 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 sa message sa vie sa message sa message sa message sa message. Le 300 avait une intro. Oh ben je sais pas. Faudra voir. Mais il va falloir que je les mette de côté pour les intros de la propreté. J'avoue c'est assez gratuit en fait. Bon. Écoutez, braves gens, je vous fais des bisous. Hein. Je vous fais des bisous, je vous quitte et je vous dis bonne nuit. Bon courage !